Nous nous trouvons ici devant l'immeuble de BNP Paribas Fortis que nous avons réalisé en association avec Baumschlager et Berlé et le bureau Stefals et Partner. Le projet était très intéressant parce que de multiples applications de verre. On avait à la fois des façades extérieures mais aussi des applications un peu plus spécifiques comme le cloisonnement des parois intérieures pour les éléments qui se trouvent à l'intérieur des bureaux, tout le cloisonnement intérieur, ainsi que l'habillage des halls ascenseurs et beaucoup d'applications assez diverses. Dans les façades, par exemple, on retrouve du vitrage transparent, mais aussi des vitrages d'allège pour lesquels on a dû rechercher un matching esthétique pour ne pas créer une différence entre les allèges et les parties vitrées de l'immeuble. Un autre critère, comme je disais juste avant, c'est le matching visuel. Alors on aime bien que les vitrages laissent passer un maximum de lumière, mais dénature pas les couleurs aussi, quand on perçoit les couleurs de l'intérieur et de l'extérieur de la même manière. Donc on reste dans des vitrages très clairs et très peu de réflexion aussi, qu'on n'ait pas une impression de miroir devant le bâtiment. Donc l'intérieur et l'extérieur du bâtiment participent d'une transparence commune. Pour les façades extérieures, donc là on a travaillé avec le façadier métal Yapi et le processeur Polypan. Et là on a mis un vitrage anti-solaire, le StopRay Ultra 60 sur ClearVision, en triple vitrage avec les trois composantes de verre qui sont en Low Iron ClearVision. Et ça permet d'avoir une transmission lumineuse la plus haute possible afin d'éviter la lumière artificielle à l'intérieur. Et également un très bon facteur solaire donc pour bien se protéger du soleil. Alors nous, ça fait quand même très longtemps qu'on travaille avec AGC. AGC est un partenaire qu'on rencontre dans beaucoup de projets. Alors, ce qui est très agréable avec eux, c'est qu'on les voit très en amont du projet au moment où on commence à faire des recherches au niveau des choix esthétiques de vitrage qui doivent correspondre effectivement aux caractéristiques techniques. Et donc pour ça, c'est un partenaire qui est relativement actif, même très actif, avec lequel on a un dialogue intéressant pour nos architectes d'amener très rapidement une solution avant même que l'entrepreneur quelque part s'en approche. Et donc on arrive avec un produit et des choix devant l'entrepreneur qui ont déjà été établis et grâce à IGC, on peut effectivement faire ce genre d'exercice. Je suis très très fier en fait tout d'abord d'avoir différentes applications. Le verre est utilisé dans différentes applications, que ce soit anti-solaire, acoustique, anti-feu et aussi en verre décoratif. Et notre motto c'est Your Dreams, Our Challenge. Et je crois qu'on a été jusqu'au bout dans tous les vitrages pour répondre au mieux à l'architecture. Et tous nos vitrages mis en place sont des vitrages cradle to cradle. Et ça contribue à la sustainability du bâtiment. Le projet a gagné un MIPIM Awards dans la catégorie bureau, comme projet extraordinaire au niveau de sa construction, mais au niveau aussi de son architecture. C'est un projet dont la particularité réside sur le fait qu'on a un exosquelette, donc la structure est déportée à l'extérieur. On a plus ou moins 300 colonnes en béton architectonique qu'on va retrouver tout autour du bâtiment et qui crée une relation avec la façade donc bien particulière puisque entre ces éléments de béton, on va se développer toute la partie vitrage de la façade qui donne extrêmement d'importance au bâtiment et qui laisse rentrer une lumière importante et abondante dans les bureaux, ce qui était recherché depuis le départ.